Bonjour à tous, je suis Aude Féaz, je suis la directrice de l'école de musique et je vous invite à rentrer. Alors, on va aller voir un premier ensemble. Nous allons vous présenter une langue arc-en-ciel. Parler pour dire ou ne rien dire, ou bien chanter pour le plaisir. Toutes les langues sont belles, toutes les langues sont belles. Mais il reste à imaginer, pour notre monde mélangé, une langue arc-en-ciel, une langue arc-en-ciel. Respeto, Aïjata, Pochano, Vani, Umla, Baduni, Yavere, Cosmos, Sudai, Riteni, Yana, Supersa, Abatan, Oabin, Amani, Awa, Passif, Fidou. Parler pour dire ou ne rien dire, ou bien chanter pour le plaisir. Toutes les langues sont belles, toutes les langues sont belles. Mais il reste à imaginer, pour notre monde mélangé, une langue arc-en-ciel, une langue arc-en-ciel. Alors, moi je m'appelle Lucie et je joue de la flûte traversière depuis 6 ans maintenant. Et donc la flûte traversière, elle est composée en 5 parties, on va dire. Il y a la tête, le corps et la patte. Donc on peut toutes les enlever et on peut jouer que dans la tête. Donc voilà, c'est assez sympa. Et donc je vais vous interpréter un morceau assez connu. Donc pour jouer, on doit se pivoter au pupitre, mais tourner le buste. Ensuite, donc on a cette main qui est collée à la flûte et cette main qui va venir faire un tunnel. Et le son va sortir tout seul. Voilà. Moi, c'est Louane, je joue de la clarinette basse, c'est la plus grave des clarinettes. Et je vais vous faire écouter. Avec le quatuor de clarinette, on va jouer un petit morceau d'Abba. Avec, il y a Emma à la clarinette, Margot, Louane à la clarinette basse et on a une star à la batterie, Evan. Thank you.
je joue de la trompette depuis 3 ans. Je vais vous jouer J'aime les chats parce que j'aime les chats et les chiens. Joshua, je fais de la trompette, cet instrument fait partie de la famille des cuivres, qui sont composés d'une embouchure. Ça possède 3 pistons, mais avec seulement 3 pistons, je peux faire plusieurs notes. Maintenant, je vais jouer un petit morceau. J'ai 8 ans et je vais vous faire écouter le son mélodieux de Kiss. C'était le cor en direct. Donc on continue avec l'instrument qui s'appelle la batterie. Voici le son de la batterie. On va continuer avec un instrument qui fait partie de la famille des percussions, c'est les timbales. Bonjour, je m'appelle Richard, je suis professeur de cor à l'école de musique de Saint-Julien-Mont-Denis et aujourd'hui je vous présente le cor des Alpes. Je vais jouer interpréter un morceau qui s'appelle Amazing Ways. Tout de suite. Alors l'orchestre junior, une petite répétition. Moi, c'est Jennifer, la professeure de solfège. Lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument de musique, on fait aussi du solfège.
Donc en fait, le but de ce cours, c'est d'apprendre à lire une partition, comme ceci. Donc je vous présente la classe de ce soir et on va lire la lecture de musique. Vous êtes prêts? Ouais. Qui donne le départ? Toi. Corentin, t'es ok? Ouais. Allez, on va compter jusqu'à 4 et on y va tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. À la rencontre de Lisa, qui joue de la clarinette. Ça fait longtemps que tu joues de la clarinette, Lisa ? 2 ans. 2 ans, super. Tu nous joues un morceau ? Qu'est-ce que tu nous joues ? Fort Boyard. Ah, génial, Fort Boyard, on adore. Merci et bravo! Et maintenant, d'autres instrumentistes. Bonjour, donc je suis Emmanuelle Hennebert, j'enseigne la flûte traversière, instrument de la famille des bois. Et donc là, j'ai cours avec Scott et puis Lucie. Donc Scott va vous jouer joyeux anniversaire. Donc Scott est en deuxième année, Lucie est en deuxième année aussi, et elle vous interprète la petite fille en kimono.
Bonjour, je suis Corentin. Avec Richard, je joue du cor d'harmonie depuis 5 ans. Et avec Richard, on va vous jouer un duo.